Merci de suivre ce magazine kiosque de ce 1er novembre 2024. C'est le premier numéro du mois de novembre de l'année 2024. Alors, bon mois de novembre à vous tous qui aimez suivre ce magazine kiosque. Alors, avec nos invités ce matin, deux sont déjà là dans ce plateau de kiosque. Nous allons analyser, commenter l'actualité. Alors, l'actualité ce matin, c'est le budget. Le projet de loi de finances qui a été présenté, déclaré recevable à l'Assemblée nationale, présenté par la Première ministre Judith Suminwa. Nous allons en parler. Le budget qui est évalué à 18 milliards de dollars américains, soit 49,846 milliards de francs congolais. Nous allons nous atteler sous le débat à la Chambre basse du Parlement sur l'applicabilité de ce projet de loi de finances. Alors nous allons en parler avec nos invités ce matin, Isaac Nguenza et Parole Kamizola. Et le troisième invité va nous rejoindre dans ce plateau de kiosque, et nous allons aussi revenir sur la question de la révision ou pas de la Constitution qui continue à défrayer la chronique. Nous allons en parler avec nos invités. Merci de nous rester fidèles et suivre chaque matin, 9h30, lundi à vendredi, sur Canal Congo Télévision et Radio Liberté, Kinshasa. Isaac Nguenza, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour à tout le monde qui aime Kiosque, particulièrement à ceux qui nous suivent à partir de Brazzaville, ceux qui aiment votre émission. Je profite aussi de cette occasion pour saluer le ministre d'État Henri Diombo, là où il se trouve, ainsi que mes frères et soeurs qui sont à Brazza. Vous êtes trop attaché avec nos frères de Brazza. Oui, vous savez, quand je m'ennuie à Kinshasa un samedi, hein, des appels et tout là, si je veux me reposer, je traverse à Brazza. Je me repose un peu. Avant, Les capitales les plus proches. ouais, Quelques avant, minutes, vous êtes à ouais. Brazza. Donc, pour aller à Kinkole, si vous quittez maintenant pour aller à Kinkole, et moi je quitte maintenant pour aller à Brazza, c'est moi qui arrive le premier. Et l'accueil là-bas, elle est C'est bonne. très, très, très bon. Très bon. Merci. Alors, clin d'œil à nos amis de Brazzaville. Merci. Alors, parole Kamizola. Bonjour. Camisello. Camisello. Oui. Bonjour, Madame Uzel. Merci de nous avoir invités, surtout dans une grande émission. J'ai été toujours fan. Là, je pense à mes collègues universitaires Dadou et Léonard, qui m'appelaient toujours Kiosk à l'époque. Merci de m'avoir invité. Je voulais d'abord parler des problèmes des enseignants, surtout des Féchi, des enseignants des Kaimba. Et dans mon secteur à Mokoso, eh bien, ils sont en retard de 3 mois de retard de salaire. Eh bien, vous allez voir que ces enseignants-là n'ont pas la possibilité même de faire retourner les enfants à l'école, parce que ici, au niveau national, presque dans toute la République, là, je prends les cas où j'ai vraiment des éléments tangibles, les enseignants ne sont pas payés à temps, ils sont en retard avec les salaires de 240 000 francs, comme vous le savez. Eh bien, les gens sont dans une situation invivable. Je voulais encore parler des enseignants de Lubumbashi et de Kinshasa, eh bien, qui ont un problème de mespe mutuelle de santé des enseignants. Et c'est une association des enseignants pour les soins de santé. Eh bien, j'ai l'impression comme ce régime est venu abolir ces bons systèmes que Kabila nous a laissés, où les enseignants étaient pris en charge sanitairement jusqu'au niveau même 10 000 dollars. Ah bon? Et aujourd'hui, ces systèmes, surtout les DG, eh bien, on commence, les enseignants payent chaque mois, eh bien, ils ne prennent pas de soins. Ce n'est de l'escroquerie. Merci, Ok, madame. puisque vous avez parlé des enseignants, alors le sujet que nous allons aborder, le principal sujet, c'est le projet de budget, hein, le projet de Oui. loi de finances 2025. Alors, lors du débat, l'intervention du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, il s'est exclamé, il a exprimé un peu son étonnement de voir qu'un inspecteur des finances recruté aujourd'hui peut payer 12 professeurs avec son salaire. Et Vital Kamerhe a plaidé pour l'augmentation de salaire des enseignants. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Vous savez qu'il n'y a aucune personne dans cette terre qui s'est émergée, qui s'est développée sans regarder les tableaux noirs. Là, je suis d'accord avec les Sud-Coréens qui disent après Dieu, c'est l'enseignant. C'est-à-dire, si vous voulez détruire un pays, commencez d'abord à détruire son système éducatif et démoraliser psychologiquement les enseignants. Parce que les gouvernements doivent savoir que quand on parle de grève, ce n'est pas grève qu'aller enseigner. La première grève, c'est la psychologie. Moi, je suis enseignant.
Et si l'enseignant n'est pas motivé, il a des... c'est fini, on a tiré l'enseignement. Je voulais tout simplement dire que les enseignants aussi doivent savoir qu'il n'y a jamais eu des autorités de bonne foi. La société vit en rapport des forces, c'est-à-dire ils doivent s'organiser dans un syndicat pour réclamer, eh bien imposer. Mais les syndicats existent ? Non. Les enseignants n'ont pas de syndicalistes. D'ailleurs, vous savez que madame, moi j'étais au parquet. Parce que j'ai acquisé l'une des banques ici, l'Ecobank. Vous savez ce que l'Ecobank fait aux enseignants pour avoir les salaires ? Ici à Kinshasa, si. Si c'était en province, vous n'allez pas imaginer. Ici, pour un papa de 75 ans, pour avoir un salaire dans une banque, à l'occurrence l'Ecobank, il faut 2 jours, 3 jours avec des gymnastiques que vous ne pouvez pas imaginer. C'est la traite négrière moderne. Et si ils avaient des enseignants, eh bien comment les enseignants peuvent vivre comme ça? Et deuxièmement, quand vous parlez des syndicalistes, moi j'aime souvent dire aux enseignants, vous n'avez pas de syndicalistes, vous êtes des orphelins. Des syndicalistes qui sont supportés par les patronats, avez-vous déjà vu ça où? Quand vous parlez des négociations des bibois, négociations des bibois. Eh bien, à bibois, là, les syndicalistes sont pris en charge par les patronats, par les gouvernements. Cela veut dire que les enseignants doivent faire tout pour avoir un syndicat solide, qu'ils financent eux-mêmes et qu'ils prennent aussi les leaders syndicales en charge et non les syndicalistes soient pris en charge par les patronats. Eh bien, moi, je pense que si les enseignants ne s'organisent pas, il n'y aura pas la guerre des causes. Et là, je profite à leur dire que les enseignants doivent adhérer dans les syndicats sérieux, pour avoir un gain de cause. Au cas contraire, ce sont d'ailleurs, j'ai l'impression comme si vous ne comprenez pas la nature des régions que nous avons. Alors, le temps qu'on arrange votre micro, alors, Isaac Mguenza, c'était l'intervention du président de l'Assemblée nationale par rapport aux enseignants. Et quand il dit que l'inspecteur des finances recruté aujourd'hui peut payer 12 professeurs avec son salaire, est-ce que c'est seulement les inspecteurs de finances ou même les députés? Et puis, est-ce que lui, il est dans une position d'agir ou d'essayer de la monter? Madame, vous savez, le problème dans ce pays, c'est pas seulement au niveau des enseignants. Moi, je suis aussi enseignant. En fait, le premier métier que j'ai eu à exercer dans ma vie, c'était professeur d'anglais. Donc, je sais ce qui veut dire enseigner. Et dans plusieurs métiers, fonctionnaires de l'État, il y a des bureaux où vous allez, à part votre salaire, à la fin, à part votre salaire, il y a certaines recettes journalières que vous gagnez. Mais pas avec un enseignant. Un enseignant, quand il touche 240 000, comme mon frère a développé ici, ça veut dire qu'il doit le gérer pour 30 jours. À part ses salaires, il n'a pas une autre source de revenus. Ça, c'est la délicatesse du métier des enseignants. Un enseignant qui se respecte, l'éthique et sa déontologie, il ne peut pas demander un franc à un élève. Pendant la récréation, achète-moi de Fanta ou du pain. Parce que un élève qui commence à acheter du pain ou de Fanta à son professeur, pendant les examens, le professeur peut le favoriser. C'est-à-dire que l'enseignant devait recevoir un salaire digne de son travail. Si moi, aujourd'hui, je parle français, il y a quelqu'un qui m'a enseigné à parler. Mais le problème que les inspecteurs, leur salaire puisse être 12 fois plus que le salaire d'un enseignant, c'est pas ça le vrai problème, madame. Le vrai problème se situe au niveau de la politique des répartitions salariales. L'affectation. Au départ, il faut que dans la politique salariale nationale, qu'on mette l'accent sur l'équitabilité. Les salaires doivent être équitables, mais jamais égaux. On ne peut jamais avoir des salaires égaux, mais au moins les salaires doivent être équitables. Équitable veut dire quoi, Gisèle? Quand quelqu'un travaille pendant 30 jours, l'argent qu'on doit lui donner comme rémunération pour son travail, on doit s'assurer que ça va lui permettre de répondre à ses besoins élémentaires. C'est-à-dire, là où vous êtes, ce qu'on vous paye, vous ne pouvez pas envier une autre personne au départ. L'autre fois, je l'ai dit, je le réitère,
prenons même dans le trois pouvoirs traditionnels de l'État, le pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Vous verrez qu'il n'y a pas équitabilité même dans la politique de répartition des salaires. Les ministres ont plus de 35 000 par mois. Les députés, 21 000. On prend les juges moins de 4 000 ou 3 000. Regarde, je vais seulement vous montrer que un magistrat, un juge qui travaille 12 mois, dur, il a des dossiers chaque jour. Un député qui vient parfois, il fait 15 minutes dans l'hémicycle, son téléphone sonne, oh, j'ai une urgence. Il signe, il part, à la fin du mois, il a beaucoup d'argent. Un juge, un magistrat travaille dur, parfois jusqu'à chez lui, à la maison, traitant des dossiers, il a un salaire qui ne lui permet pas de bien vivre. La conséquence, c'est quoi? On va toujours se plaindre, la justice ne marche pas et tout, tout, tout. Même le niveau de l'enseignement aujourd'hui est au rabais. Pourquoi? C'est à cause de manque de traitement des enseignants. Je pense que, comme le frère a développé, on doit régler les problèmes des enseignants. Sinon, chaque année, ça sera la même chose. Pourquoi chaque année, on vit toujours la même chose? L'année scolaire commence toujours par la menace des grèves et puis, bon, on ne comprend pas. Le syndicat, mon co-débatteur a signifié que les syndicats n'existent pas. Ils sont là, mais c'est comme il a dit, ils sont contrôlés par le patronat comme... c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire quoi? Et puis, ce qui est encore malheureux, ils sont corruptibles aussi. C'est ça le vrai problème, madame. Quand moi, je représente les journalistes quelque part, je suis en train de défendre les droits des journalistes. On me dit, bon, d'accord, on va faire ça, mais on me donne, par exemple, 10 000 dollars. Bon, partagé. On a quelque chose, on oublie même le reste. C'est ça le vrai problème avec les problèmes des salaires ici. Je pense, c'est pas seulement les enseignants. L'autre fois, c'était les médecins. Donc, il faut qu'on commence à rémunérer, à mettre en place un SMIC normal qui puisse permettre aux Congolais de bien vivre. Madame, moi, j'ai toujours dit, notre pays a l'argent. Rappelez-vous, paix à son âme. Zaïd Ngom avait a suggéré le barème de Mboudi. Il a fait des études, c'était possible que les fonctionnaires, le salaire le plus bas puisse commencer à partir de 200 dollars. Mais le barème de Mboudi n'a jamais été appliqué. La personne qui devait l'appliquer, je crois, à l'époque, c'était Jean-Pierre Bemba, qui était vice-président en charge de l'Ecofin. Les raisons qu'on poussait à l'époque, il y avait des fictifs. Et oui, ça c'est notre problème aussi. Il y avait des fictifs, donc on devait s'assurer que le chiffre qu'on a est réel et tout là. Bref, madame, c'est possible dans notre pays d'arrêter une politique salariale qui puisse permettre aux Congolais de mieux vivre. Voilà. Revenons sur le budget. Le budget a été déclaré recevable, le projet de loi de finances 2025. Alors, quel est votre commentaire par rapport à ce budget qui est évalué à 18 milliards de dollars avant que nous puissions entrer dans le débat hier à l'Assemblée nationale? Oui, merci madame, si vous pouvez me permettre de mettre aussi mon sur l'enseignement. Est-ce que vous savez que les listings des enseignants depuis que les plus mauvais ministres de l'EPST de l'histoire du Congo, Tony Mwamba, est arrivé? Eh bien, est-ce que vous savez que les listings... Qui l'avez classé. Je vais vous l'éprouver. Vous savez que les listings des enseignants sortent sans montant. C'est déjà l'indice de l'escroquerie. Aucun pays au monde, dans l'histoire du monde, vous trouverez un pays, les listings des fonctionnaires, qui ne sont même pas des fonctionnaires, des enseignants congolais sont des journaliers, parce qu'ils ne sont pas la fonction publique. Les matricules qu'ils ont, c'est les matricules de l'école. Nous dit-on qu'ils soient intégrés comme tous les fonctionnaires, que la conséquence directe serait que la structure malhonnête qu'ils ont créée de ces copains tombe. Parce que tous les enseignants congolais, les matricules qu'ils ont, c'est les matricules de l'école. Et même pas des matricules. Vous voyez? Eh bien, ce sont des anomalies que vous pouvez voir, qui sont d'ici et là. Comme je vous avais dit, les listings, c'est déjà, vous pouvez contrôler. D'ailleurs, je savais pas. C'était à l'improviste, j'allais vous amener des listings, j'allais faire des recherches, vous ne trouverez aucun pays au monde, même les gouvernements, les autres gouvernements qui nous ont gérés, eh bien, vous allez voir qu'il y a toujours les montants. Si vous voulez savoir qu'on a ajouté quelque chose, ce n'est pas la radio.
on regarde le listing, qu'est-ce que vous on a ajouté, c'est combien? Par exemple, le mois passé c'était 1000 francs, ici on a ajouté 50 francs. Vous allez d'abord pas à la radio au niveau médiatique, au niveau des listings. Mais ici, au niveau des listings des enseignants, eh bien, il n'y a pas les montants. Cela veut dire que c'est un gouvernement le plus malhonnête de l'histoire. Ah, je vois que vous êtes de la profession. Attendez-moi vous présenter, Joël, s'il vous plaît. Je vous en prie. Vous venez de nous rejoindre. Hein. Apaisez-vous. Il n'a même pas répondu encore à ma question. Non, non, s'il vous plaît. Par rapport au budget. Bonjour, madame Gisèle. Par rapport au budget. Je voudrais revenir sur ça parce que le co-débatteur, dont je ne connais pas le nom, semble. Parole. Pardon ? Parole. Parole, oui. Il semble ignorer que l'enseignant, comme l'inspecteur, est géré par une loi. Et cette loi, elle est de 1990. Et cette loi fait en sorte que l'enseignant ne ressort pas. Hein, des listings de la fonction publique. Donc il est géré par le service spécialisé que l'on appelle DINACOPE aujourd'hui parce qu'il a été changé. Et si Tony Mwamba avait changé le nom, c'est parce que les gens pensaient que c'était CECOPE, service de contrôle de paye de l'enseignant. On croyait que c'était ce service-là qui payait. Malheureusement, c'est pas ce service qui paye. Ce service appelle tout simplement les listings, le mode de paiement et envoie au ministère du budget et de finances qui vont t'apprêter pour payer les enseignants. Aussi bien les enseignants assis comme les enseignants debout. Et donc, ce n'est pas l'enseignant comme agent de CECOPE ou de DINACOPE aujourd'hui ne fait pas partie de la fonction publique. C'est pourquoi leurs matricules sont différentes de ceux qui sont à la fonction publique. Mais au niveau de l'enseignement, il y a deux catégories d'agents. Il y a les agents qui sont de la fonction publique, qui sont au secrétariat général, donc les services centraux, et il y a deux enseignants qui relèvent de listing dont il parle de la DINACOPE. Il fallait que j'apporte cette précision en tant qu'expert du secteur. Il y a un élément, c'est tellement important. Il y a un élément. Quand Tony est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il prend beaucoup de badauds de la rue. Il les met au CECOPE parce que là on n'enseigne pas. Les gens pour ça. Monsieur, arrêtez avec les diffamations. Monsieur, vous allez voir que dès monsieur, faites très attention avec les imputations dommageables. On les avait retoqués. Monsieur, faites très attention avec les imputations dommageables. Merci, j'ai comme la parenthèse. Voilà. Alors, monsieur, parole. Faites très attention. Parole, alors l'exécution. Je suis inintimidable. Je vous parle de la loi, monsieur. Là, c'est un juriste qui vous parle. Ce sont les imputations dommageables. Et ça peut vous coûter cher. Merci, ça ne peut pas me coûter cher. S'il vous plaît. Tu ne peux pas m'intimider. Juriste ou pas, ça ne me concerne pas. Vous ne pouvez pas me tutoyer. L'éducation vous interdit de me tutoyer, monsieur. Toi aussi, tu ne peux pas me tutoyer. Parole, s'il vous plaît. Moi, je ne vous ai pas tutoyé. Je suis très bien éduqué, monsieur. Vous parlez d'abord en français approximatif. L'exécution du budget, s'il vous plaît. Monsieur, c'est très attention, je suis ancien des kiosques. J'ai l'habitude des kiosques. Je suis très ancien des kiosques, monsieur. L'exécution du budget. Alors, on a vu le débat hier à l'Assemblée nationale. Oui. Les députés se sont exprimés beaucoup. Et tu dois quelqu'un l'exécution de qui est plus âgé que lui, plus instruit que lui. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez, Joël, s'il vous plaît. Oui, merci. Ce qui m'a beaucoup piqué, l'intervention de l'ancien Premier ministre, ministre de Finances, Matata Ponyo. Il nous a donné un élément tellement important. Quel est cet élément? Il dit... C'est l'exécution de tous les programmes, souvent ne respecte pas les chaînes de dépenses. C'est grave. Voilà. Ça devient maintenant presque approximatif avec tout ce que j'ai dit. C'est le gouvernement qui se distingue à des mauvaises gestions que le monde n'a jamais connues. Et vous imaginez, c'est plus de 50%. C'est déjà l'élément de la corruption. Donc ça, c'est tellement grave. Et deuxièmement, les Congolais, j'ai beaucoup aimé les co-débatteurs qui a dit les problèmes des infirmiers, des médecins, et les policiers, presque. Ils ne sont pas des enseignants. Si vous regardez les policiers, ils sont dans la même situation. Les militaires, dans la même situation. Pourquoi? Parce que ce gouvernement se comporte comme un gouvernement de kleptocrates. Vous voyez? Comme un gouvernement de kleptocrates, un gouvernement prédateur qui prend, par exemple, prenons par exemple, moi je suis un peu gentil, mais avec Cardinal, il a dit 70%,
avec l'ancien vice-président de l'Assemblée qui est prisonnier, l'ancien président intermédiaire de l'IDPS, Jean-Marc Kabound a dit 60%. Quelle personne sur cette terre qui peut gérer les sociétés d'un pays avec 40%? Qui? Même si vous êtes qui? Est-ce qu'un pays normal, vous pouvez comparer les pays que vous appelez les grandes puissances, je prends les États-Unis, la Russie et les autres pays. S'ils ont un budget, vous allez voir d'abord l'armée est a priori. C'est-à-dire, l'armée, vous ne pouvez pas comparer, par exemple, les budgets, par exemple, des pouvoirs exécutifs avec les défenses. Eh bien, vous allez voir que ici les institutions prennent beaucoup que l'armée. Or, il faut comparer l'armée comme une fondation de la maison. Si vous n'avez pas une... Madame, suivez-moi. Mais cette fois-ci, on a augmenté les budgets alloués à la sécurité. On parle de 28%. Vous êtes satisfait? Que je vous dise, les soldats des soldats, les Congolais vont se révolter. Le budget 2020. Madame, est-ce que vous savez qu'on paye des mercenaires, que les militaires? Ici, on ne parle pas des choses. S'il vous plaît, Madame Gisèle. S'il vous plaît, Madame Gisèle. S'il vous plaît. On ne parle pas des choses surréalistes, des choses. S'il vous plaît, Madame Gisèle, vous risquez d'être poursuivi pour démoralisation des troupes au front. Non, le sujet qu'il entame est très dangereux. C'est très dangereux ce qu'il est en train de débiter. Ça peut vous. J'ai dit, c'est une démoralisation des troupes au front. Et la peine est capitale. Démoralisation. S'il vous plaît. Démoralisation, c'est celui qui dit que notre armée est infiltrée. Tu sais, le président Mohamed Bazoum... Monsieur, arrêtez de me tutoyer. Mohamed Bazoum, excusez madame. S'il vous plaît, oui. S'il vous plaît. Isaac Mbouedza. En fait, moi, je peux dire... Par rapport à l'exécution... Attendez, vous savez que... j'ai pas peur, mais je crains que les déclarations que mon frère vient de développer sont très dangereuses. Parce que les réalités ou les informations liées à la défense, c'est pas donné à n'importe qui de les dire. Commentez. L'armée a son porte-parole. Et quand vous affirmez que le gouvernement paye des mercenaires, si on vous demande de démontrer les preuves, vous n'en aurez pas. Un conseil d'ami, mon président Katumbi l'a dit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais moi, je ne sais pas où est-ce qu'il vous a ramassé. C'est pas ça. C'est moi qui parle. Je vais moi jouir de mon temps. C'est un conseil. C'est quand même une émission, madame. C'est un conseil d'amis que je vous donne. Quand vous avez la possibilité d'être aux médias, sachez que vous vous adressez à tous les Congolais. Le pays est en guerre. Il y a certaines informations. Vous devez tourner la langue deux fois avant de le déclarer. Si vous n'êtes pas titré. Moi, ça, là où je suis choqué. Quand vous dites à la télévision, les soldes militaires, que je vous dis, ça va vous choquer. Qu'est-ce qui n'est pas seulement suivi par les Congolais? C'est le monde entier. Et vous ne savez pas ce que les ennemis peuvent faire de votre déclaration. Si vous êtes patriote, contrôlez le langage. Ça, c'est un conseil que je vous donne. D'accord? Maintenant, je peux donner mon point de vue par rapport à la question de Gisèle sur... vous avez encore parlé encore de quoi? Par rapport à l'exécution du budget. Nous sommes dans le budget. Ouais. Bon, voilà. Le vrai problème, c'est quoi? Le budget, il y a un montant global qui doit couvrir toutes les dépenses du pays. À payer payer les fonctionnaires, les politiques, l'armée, la police et tout là. Bon, je pense qu'au niveau de l'exécution du budget, c'est que moi j'ai toujours soutenu ce quoi. On a parlé de 18 milliards aujourd'hui de budget. Quand au niveau de panier de la ménagère, les familles ne se retrouvent pas, peu importe l'augmentation du budget, si son impact n'est pas senti au niveau de la population, là c'est aussi un problème. Je pense que quand on fait des calculs budgétaires et tout là, on doit tenir compte de la vie sociale, mettre en place des mécanismes qui puissent faire que tout le monde, là où il se retrouve, qu'il sente un changement au niveau de la vie quotidienne. C'est un peu ça. Oui, Isaac, alors beaucoup, on a vu les interventions des députés, beaucoup n'y croient pas, beaucoup disent que c'est la démagogie. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, madame, je pense que les problèmes dans notre pays, on le dit très souvent, c'est au sujet de l'applicabilité de lois. On vote des lois, mais nous avons des difficultés pour les mettre en pratique. Ça, c'est ça le vrai problème avec notre pays.
Moi, je n'ai jamais vu un pays au monde où un ministre en fonction sort un arrêté et que l'arrêté n'ait pas d'efficacité. J'ai vu ça avec le ministère de l'Urbanisme et l'Habitat, où le ministre a sorti un arrêté fixant la garantie locative à trois mois pour le logement résidentiel, 6 mois pour le logement commercial, mais dans la pratique, personne ne le respecte. On dit l'État Tongelanganda. Or, on oublie que aucun État au monde n'est fragile. L'État dispose des outils, de la contrainte la mieux organisée pour se faire obéir de mille manières. C'est pourquoi toute armée et tout État au monde a l'armée, la police et la gendarmerie. C'est pour imposer la souveraineté et les lois. Donc, ici, nous vivons dans un pays où certaines personnes même sont prêtes à défier l'État. L'État interdit quelque chose, vous voyez les gens le faire en plein jour. C'est seulement chez nous ici, je vois par exemple une moto conduire 3 personnes, 4 personnes, et pas la nuit en public. À ce point-là, on peut voter de budget, on peut améliorer même jusqu'à 100 000, mais si dans la vie quotidienne, nous ne sentons pas un changement, ça va servir à quoi, Madame Gisèle? Tout ce que doit budgétaire et tout là, dans la vie quotidienne, si on vit toujours les mêmes choses, ça change quoi? Alors, Joël Kadi, qu'est-ce qui fait que les budgets, les projets de budget, souvent, ça souffre d'exécution, ou soit, comme vient de dire Isaac Nguenza, la population n'y sent pas? On a vu les chiffres, mais il faut que la population puisse vraiment palper cette réalité. Très cher consoeur, je dois vous dire d'abord qu'il est difficile, avec l'actuelle constitution, de satisfaire la population. Parce que cette constitution permet à ce que le budget soit à 70% réservé pour les dépenses des politiques. Mon Dieu. Mais c'est monsieur, vous l'avez ramassé où? Allez-y. Non, d'abord, vous avez ramassé ce monsieur où? Allez-y, Joël. Monsieur, nous, quand on a commencé Kiosque, c'était avec les Moussambo, c'était avec les Diana, c'était avec les Mike Moukebaï, c'était pas avec des idioties comme ça. Allez-y, s'il vous plaît, allez-y. Et si on mettait en application cette constitution intégralement, on devrait avoir même des conseils au niveau des chefferies. Et ces conseils-là, aujourd'hui par exemple, les conseillers municipaux, ils réclament d'être payés pour avoir fait quoi à la nation congolaise? C'est la première des choses. Il faudrait qu'on puisse, si on veut en tout cas aider ce peuple, on doit arrêter avec cette constitution des récompenses aux politiciens. Parce que tout le monde devrait se retrouver. C'est lui qui le dit, ce n'est pas moi. C'est le professeur Kabamba, un des rédacteurs de cette constitution. Je peux vous envoyer son extrait, où il dit que la constitution avait été faite pour qu'on puisse que tout belligérant se retrouve. S'il n'est pas ministre, il est député national. S'il n'est pas député national, il est sénateur. S'il n'est pas sénateur, il est député provincial. S'il n'est pas député provincial, il est membre du gouvernement provincial. S'il n'est pas membre du gouvernement provincial, il est conseiller municipal. Et donc ça a été fait ainsi. Ce qui fait qu'il est difficile, et ça je vous dis, parce que j'ai déjà été moi dans plusieurs cabinets politiques, et je vous dis que quand vous regardez l'argent que touche mon ami ici tantôt a parlé d'équitabilité du salaire. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, malheureusement il a exagéré pour dire que le ministre touche 35 000 dollars, non. Peut-être 35 000 dollars, s'il faut ajouter 30 000 dollars de frais de fonctionnement, de cabinet. Oui, c'est ce que j'ai dit. Peut-être qu'il a exagéré, j'ai dit peut-être qu'il a exagéré, parce que moi, je connais les frais de fonctionnement d'un cabinet politique, je connais les frais, les salaires des ministres, ça dépasse par 15 000 dollars, ça il faut qu'on se le dise. Et même le député, c'est pas 21 000 dollars, comme on est en train de le dire. Et donc, c'est justement pour vous dire. Et puis, le prix, quand vous parlez de 21 000 dollars, là, on oublie que la monnaie a connu une dévaluation très 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 catastrophique. Donc ce qui fait que ce que l'on fixe, c'est pas normal. Et donc c'est pour vous dire que il faudrait qu'on arrive à changer cette constitution ou à la modifier, surtout en ce qui concerne les assemblées. Il y a des institutions budgétivo inutilement. Dites-moi, qu'est-ce qui peut justifier qu'on ait la CNDH?
Ça veut dire Commission nationale des droits humains. Et vous avez un ministre, un ministère des droits humains. Nous avons le CESAC et nous avons le ministère de la communication immédiate. Qu'est-ce que ça vient justifier? Quel est l'apport du Conseil économique et social? Au Sénégal, on a supprimé une des chambres. Tout simplement pour que l'argent qui devrait revenir aux sénateurs, et vous entendez, quand on parle de détournement, ce sont des montants colossaux, énormes, quand on parle du Sénat et ainsi de suite. Bon, quel est l'apport du Sénat? Nous pouvons dire que c'est la seconde lecture de loi. Mais réellement, qu'est-ce que notre Sénat nous apporte? Qu'est-ce que les assemblées provinciales nous apportent? Parce qu'aujourd'hui, si on avait un gouverneur qui relève du gouvernement central et avec ses députés provinciaux qui tout le temps procèdent par démotion des défis pour déstabiliser le gouvernement provincial, au Kassai occidental, oui, le premier mandat de Joseph Kabila, on a connaissé un gouverneur. Comment est-ce qu'on peut se développer? Donc, si j'ai retenu, parce que nous parlons du budget, je pense que Joël Kadé, même l'affectation équitable, c'est la constitution qui bloque. Mais l'Assemblée des députés n'ont pas de rôle à jouer là-dessus. Mais on a combien? Madame, Joël a raison. Tout commence par la constitution. Mais est-ce qu'ils n'ont pas le droit de bouger quelque chose? C'est-à-dire que. Ils ne peuvent rien. On parle, par exemple, des 28% affectés pour la sécurité, dire qu'on doit augmenter. Quand on parle, par exemple, 18% affectés pour les investissements, on doit changer. Ils n'ont pas. Il n'y a pas cette possibilité. Ils n'ont pas de possibilité parce que c'est la constitution qui fixe tout. C'est la constitution qui vous arrête. Le Sénat, Conseil économique et social, ministère de ceci, les institutions d'appui à la démocratie. C'est la constitution qui vous fixe, qui est même des conseils de chefferie, qui est des conseils de conseils urbains. Heureusement qu'on n'en a pas. Mais écoutez, aujourd'hui, tous les députés provinciaux grognent. Ils sont en train de brayer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas payés. Pourquoi? Et donc, aussi longtemps qu'on gardera cette constitution des récompenses aux belligérants, on avancera pas. J'ai suivi, par exemple, un député hier, lors du débat, qui disait que, par exemple, au ministère du budget, les gens ont des salaires de 1 000 $, tandis qu'à l'intérieur, 100 $. Tout ça, c'est écrit dans la constitution. C'est ce que vous voulez nous faire croire. Non, non. Ça, c'est la politique que le gouvernement a arrêtée. Quand vous êtes, par exemple, au ministère du budget, il y a des primes qu'ils perçoivent au nom de telle ou telle autre prestation. Non, non, écoutez. Là, j'ai suivi un député. C'est ce que je dis. C'est-à-dire, quand vous êtes au ministère des Finances, vous êtes au ministère du Budget, il y a des primes qui leur sont accordées en fonction de telle ou telle autre prestation. Et là, ce sont des lois qui arrêtent. Et pour changer cela, il y a des lois. Nous avons la Constitution, nous avons les lois, nous avons les arrêtés ministériels, qui sont des dispositions réglementaires, ce sont qui disposent. Et pour qu'on puisse revoir tout ça, la base, les fondamentaux, c'est la Constitution, madame. Parole, vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Ah, mais c'est les juristes. Il vient d'ajouter l'article 230, parce que la constitution congolaise a 229 articles. Lui a ajouté un article qui dit que cet article répartit le montant. C'est-à-dire, s'il faut dire que les présidents, par exemple, gagnent 2 millions et quelques, c'est la Constitution qui fixe, je ne sais pas dans quel article de la Constitution qu'il a lit. Mais ils m'ont donné conseil, moi aussi je vais leur donner conseil. Quel est ce conseil? Eh bien, si vous aimez vraiment ces pays, ne défendez pas ces gouvernements. Parce que ce qui tue tout un peuple ou un pays, c'est la corruption. Ces gouvernements s'est distingué. Vous pouvez me citer un projet de ces gouvernements où il n'y avait pas la corruption? Vous pouvez me citer? Vous êtes distingué. Eh bien, aujourd'hui, vous avez un pays en faillite. D'ailleurs, ils nous disent que nous sommes en guerre. La guerre doit être déclarée. Qui va changer cette constitution, Madame Gisèle? C'est quel parti au pouvoir? Est-ce que vous savez que l'IDPS n'a pas de carte de membre? Est-ce que vous le savez? Un parti au pouvoir qui n'a pas de carte de membre. Et ce parti-là peut donner la constitution. Est-ce que vous... Quel parti qui va donner la constitution à un pays comme la République démocratique du Congo? L'IDPS, qui n'a même pas un statut. Ah voilà. Ah voilà. On vous parle toujours des présidents intérimaires. Dans quel article du statut de l'IDPS qu'ils ont tiré les présidents intérimaires? Parce qu'ils ne font pas de recherche pour lire. Parce que vous devez savoir que les partis politiques sont des pays à miniature. Si vous avez des partis politiques bien structurés, bien organisés, à ce moment-là, vous aurez des institutions fortes. D'accord? Cela veut dire que si les gens sont incapables
de donner les textes d'abord au parti, d'avoir des lords au sein du parti. D'ailleurs, excusez madame, je ne peux pas vous poser des questions, on peut se poser une question. Qui est le secrétaire général de l'IDPS? S'ils sont incapables de mettre des lords, vous voyez, hors des petites choses comme ça. Vous entrez dans les affaires internes du parti. Non. Il y a interdépendance. Vous suivez les débats aux États-Unis, non? Les Américains suivent ce qui se passe dans le parti démocratique, démocrate et républicain. Et imaginons que Trump aujourd'hui fait une bêtise publique, vous allez dire que... D'ailleurs... Quel rapport il y a entre ce que nous parlons avec ce parti? Non, il y a toujours des études comparatives. Lui, il s'est appelé juriste, il y a les droits comparés, linguistique comparée, pédagogie comparée, politique comparée. Donc cela veut dire que... C'est tellement important aussi, j'entre directement le problème de la Constitution. C'est le premier texte le plus légitime. Par exemple, je prends l'article... Je prends en tête comme ça, quand on dit la RDC a quatre langues nationales, prénom. Ces gens vont me dire, ceux qui défendent cette thèse, que ces langues, les quatre langues nationales sont des langues étrangères. Ils sont prêts. Qu'est-ce qui fait que pour construire des routes, la Constitution bloque où? Pour restaurer Bukangalonzo que vous aviez semé des... je ne sais pas, des chambres là où il y a des semées de maïs, est-ce que la Constitution qui vous a dit de le faire? Est-ce que la Constitution... Je me pose des questions, madame. Est-ce que la Constitution donne la compétence? Non. La Constitution ne donne pas la compétence. Merci. C'est-à-dire, madame, nous n'avons pas le problème des textes, nous avons le problème d'hommes. Nous n'avons... Vous l'avez, il s'est bien présenté comme juriste en m'intimidant. Il pensait que je suis inintimidable, non? En disant, je suis juriste, voilà. Eh bien, il s'est dit comme ça. Mais il dit des choses qui n'entendent pas. J'aimerais que vous lui posiez... Merci, monsieur. Posez-lui la question. Dans quel article... Quel article qui bloque? Il me conseille. S'il vous plaît. Vous savez, que c'était un grand débat. Que c'était une instruction des gens. Donc, quand nous nous présentions ici, d'abord le français, on n'analyse pas. Mais vous savez, d'abord, il est au sujet, il parle un français approximatif, et puis un statut. Écoutez, monsieur, les partis politiques sont régis par les statuts. Et les statuts, c'est au pluriel. Ce n'est pas un statut. Le statut, c'est un État. Statut d'un journaliste, statut d'un juriste, statut d'un président de la République. Donc, quand vous invitez les gens ici, M. Doudou doit tenir compte de la qualité des invités. C'est la première chose. Deuxième chose que je voudrais dire ici. Vous savez pourquoi je ne viens pas? Je ne viens pas encore dans les émissions. C'est pour des invités comme ça. Ne ramassez pas n'importe qui, qu'est-ce que c'est quand même une émission. Merci Joël. Hein? Bon, franchement, je suis écœuré aujourd'hui de voir le déroulement de l'émission. Non, s'il vous plaît. Je vais poser ma question par rapport à... Vous savez, on a touché la Constitution, mais non. Oui. Parce que notre frère Parole dit, le problème, ce n'est pas le problème des textes, le problème d'eau. Je vais vous dire que la Constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays. C'est la base. Tout part de la Constitution. Ouais. Si vous connaissiez l'histoire constitutionnelle de notre pays, vous ne pouvez pas affirmer que les textes constitutionnels sont bons, mais c'est les hommes qui sont mauvais. Isaac, il veut peut-être dire que c'est le problème d'application de j'arrive, la loi. J'arrive, d'abord les textes. Joël est juriste. En droit, il y a la loi. Il y a aussi l'esprit. L'esprit de la loi. Ça, c'est maintenant le domaine du droit. Il y a la loi, il y a l'esprit de loi. Une loi peut être bonne, mais l'esprit mauvais. Je vous donne un exemple très simple. On dit dans la Constitution, pour être président de la République, il faut être congolais de père et de mère. Cette loi est excellente, c'est très bonne, mais l'esprit peut être mauvais. Si on vise une personne qui est 50-50, qui veut devenir président, à ce moment-là, la loi est bonne, mais l'esprit est mauvais. Je prends un autre exemple. Toutes les constitutions que nous avons connues dans ce pays, depuis la loi fondamentale de 1960, ces constitutions ont estimé
que pour diriger un grand pays comme le Congo, le chef de l'État doit être au moins mature, doit être mûr. On ne peut pas confier la gestion du pays à un enfant. Il faut que la personne qui sera président de ce Congo, à la dimension d'un continent, doit être mûre. Et les Belges ont estimé la majorité ou la maturité à l'âge minimal de 40 ans. La constitution de Luluabourg en 64 a aussi estimé l'âge minimal 40 ans. La constitution de Mobutu de 67, qu'on appelait constitution des révolutionnaires, a aussi maintenu 40 ans. Maintenant, la constitution que vous soutenez, au moment de son élaboration, le président au pouvoir, Joseph Kabila, a 35 ans. On baisse l'âge à 30 ans. Et vous appelez cette constitution une bonne constitution? Vous voulez dire quoi par là? Vous soutenez la révision? Moi, Gisèle, moi d'ailleurs, j'ai toujours dit, je ne soutiens même pas la révision. Je soutiens le changement. Là, je vais vous dire pourquoi je soutiens le changement. C'est votre point de vue. J'arrive. Chacun a son point de vue. Quel est le pouvoir que l'AFDEL, qui a renversé Mobutu, avait changé la constitution? Vous pensez que tous les textes de constitution de Mobutu étaient mauvais? Pourquoi ils n'ont pas révisé? Pourquoi ils n'ont pas modifié? Ils ont changé. Je sais que cette constitution, les gens qui l'ont élaboré, c'est la descendance de l'AFDEL. L'AFDEL, on sait que c'était les Rwandais, les Burundais et les Ougandais. Ils ont mis Joseph Mzé-Laurent Kabila à la tête. Ils ont renversé le régime. Et c'est ces régimes-là, avec l'opposition, d'ailleurs l'IDPS n'était pas là, et quelques sociétés civiles ici, et les belligérants, des hommes armés, qui ont élaboré cette constitution. C'est là que je soutiens Joël pour dire qu'ils ont tenu leurs intérêts. Mais quand on élabore la constitution, il faut se référer aux principes élémentaires de la règle de droit. Qui estime qu'une loi doit être impersonnelle pour commencer, abstraite, générale et obligatoire? Alors, Isaac, par rapport à ce que vous dites là, je dis ceci, la constitution. Il a soulevé la question de l'opportunité. Bon, j'arrive, mais moi, j'ai dit ceci. Il y a d'autres priorités. C'est vrai, attendez, Gisèle. Si je vais arriver à l'opportunité. Moi, j'ai toujours dit. Il a dit qu'il y a d'autres priorités par rapport à la population. Moi, j'ai toujours soutenu le changement de cette constitution. Pas maintenant. Cette constitution, elle est mauvaise. Gisèle, je vais vous donner un exemple très simple. Quelle est cette constitution qui favorise, une ville comme Kinshasa, avec plus de 12 millions d'habitants, doit être gérée par un gouverneur élu par une poignée de 40 personnes? Oui, on n'en disconvient pas. Écoutez, j'arrive. Voilà, maintenant j'arrive. Il y a d'autres priorités. Non, j'ai dit ceci. Le vrai problème avec notre pays aujourd'hui, quand on parle de changement de la constitution ou de sa révision, le moment n'est pas opportun. Je vais vous dire pourquoi, Gisèle. Moi, si j'étais conseiller du président Tshisekedi, le moment de changer la constitution, c'était à sa deuxième année. Quand on est arrivé en 2021, quand il a brisé l'accord avec l'FCCK, quand il a décrété état de siège, en ce moment-là, tout le peuple était derrière lui. Parce qu'il n'avait pas encore travaillé. Deuxième année, il se sent bloqué avec le FCC. Il a procédé à la consultation nationale. Il fallait le faire en ce moment. C'était en ce moment-là. Maintenant, là, la synchro. C'est la fin de l'autre magazine. Ça, c'est la fin de l'autre magazine. Ne m'écoutez pas la parole. Non, par rapport aux quatre langues nationales. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une langue d'ici qu'on doit ajouter. Et d'ailleurs, c'est une des raisons encore pour laquelle il faudrait qu'on change la constitution. Parce que vous allez vous rappeler que le président de la République a lancé le dictionnaire de la langue d'essai. Nous avons une catégorie de population qui ne sait pas suivre ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Donc les sourds muets, ils ne nous entendent pas. Donc en principe, sur ce plateau, on devrait avoir quelqu'un qui interprète ce que nous disons de telle manière qu'ils puissent aussi suivre. Donc, et on en a autant des millions de Congolais qui pratiquent que la langue des signes. Merci. Donc il faudrait qu'on ajoute la cinquième langue nationale. Merci, qui doit être la langue des signes, parce que l'Ouganda, le Zimbabwe, je crois le Togo et le Kenya ont déjà adopté une langue des signes qu'on a ajoutée aux langues des signes. Voilà, merci Joël, merci Isaac, merci Madame, l'émission est finie. Voilà Joseph Kabila, voilà un garçon de Vénéva, Joseph Kabila, voilà un papa de
de 56 ans. Merci Parole. Ouais. Merci Parole. Merci à vous fidèles téléspectateurs. Merci aux auditeurs de kiosque. Merci à vous, chers invités. Merci au coach de Montiri. Merci à l'équipe technique. Bon début de week-end. Je vous retrouve lundi avec le même plaisir. Au revoir.